Bonjour à tous, vous allez bien mes amis. Aujourd'hui, je vais faire les tirages de trois choix pour le relationnel avec les autres, le relationnel sentimental. Ça va parler seulement pour le relationnel et sentimental. Alors, il y a trois choix. J'utilise l'oracle de l'amour, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle de l'amour psychique. Et un oracle avec les couleurs. Et j'utilise l'oracle de Mademoiselle Delormeau. Les premiers et les troisièmes, les mêmes choses. Seulement les différents de l'oracle de Mademoiselle Delormeau que j'utilise pour chaque tas, un différent l'oracle. Alors, je commence avec le premier, mes amis. Si vous voulez choisir les vidéos, peut-être vous arrêtez les vidéos pour prendre le temps. Écoutez votre intuition, le premier tas qu'il arrive, le premier. Vous pensez à un chiffre, soit le premier, ou deuxième, ou trois. Prenez qu'est-ce qu'elle parle pour vous. J'ai tiré pour les sentimentales, les célibataires. Les jours qui sont à une séparation, un éloignement, ou les jours qui sont dans le couple. Dans le couple, soit j'utilise les personnes qui choisissent, c'est l'oracle. On verra avec l'oracle après. D'abord, on utilise l'oracle, les jours qui sont séparés. Excusez-moi, célibataire. J'ai fait comme ça pour prendre les places. Pour les gens qui sont à une séparation. Je vois comme ça. Alors, je vais faire la place parce que là, j'ai. Pour les gens qui sont dans le couple, qui sont déjà dans le couple, alors déjà que je vois les célibataires, peut-être vous refusez une relation ou une personne, que vous êtes peut-être pas attaché à cette personne, peut-être vous êtes besoin libéré. Les dialogues avec cette personne, communiquer, dialoguer, discuter honnêtement votre sentiment pour cette personne. C'est votre partenaire, si vous êtes avec une personne, les célibataires que vous refusez, écoutez cette personne, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et c'est peut-être vous êtes beaucoup de tristesse, soit vous êtes les conflits avec cette personne, peut-être il y a une difficulté, communication. Et vous sentez peut-être une relation avec cette personne, ou soit vous sentez la négativité dans votre relation. Ça manque les communications et les dialogues et la vérité. Peut-être il y a une vérité, besoin de communiquer, dialoguer et parler honnêtement avec cette personne. Si vous aimez cette personne, soit vous êtes éloigné parce que vous sentez beaucoup attaché à cette personne, ou soit vous l'aimez beaucoup, que vous ne voulez pas attaché à cette personne, vous l'éloignez. Et besoin peut-être déclarer votre sentiment, parler à cœur avec cette personne qu'elle a besoin, vous écouter cette personne qu'elle a peut-être besoin de déclaration. La vitalité, le soleil, c'est la victoire, c'est le succès dans la relation. Si vous communiquez avec cette personne, besoin peut-être un dialogue, honnêtement, votre sentiment. Il y a l'amour, il y a l'amour, mais il y a quelque chose qui vous fait peur, peur d'engagement, soit peur d'attacher à cette personne. Ou soit vous êtes peur amoureuse de cette personne. Mais il y a l'amour, besoin seulement déclarer votre sentiment. Et besoin prenez le plaisir à deux, communiquer, dialoguer. Si vous êtes peur de tomber amoureuse, ou soit attaché à cette personne, que vous êtes éloigné, ou soit vous n'êtes pas
cacher votre sentiment, vous doit déclarer, il y a l'amour. Pour moi, il y a l'amour. Si vous êtes avec quelqu'un, les célibataires, soyez honnête avec cette personne, avec vous-même, honnête, et déclarez votre sentiment. Il y a l'amour, hein? Il y a l'amour. Alors, les gens qui sont séparés, vous êtes éloigné de quelqu'un. Si vous êtes séparé avec quelqu'un, soit vous êtes distante, vous préférez éloigner une personne. Il y a le conflit en séparation. Pour moi, c'est la mesure de Dieu, c'est les choses qui est cassée. Peut-être il y a une réparation, mais doit sortir ce conflit que vous sentez. Peut-être il y a beaucoup de conflits dans la relation, que vous êtes beaucoup fatigué par cette séparation. Ou soit besoin peut-être éloigné pour réparer quelque chose dans votre relation. Si vous êtes séparé de cette personne, parce que vous êtes beaucoup les blessures et beaucoup sentez le conflit et vous êtes fatigué à battre avec cette personne ou soit le conflit, que vous êtes besoin éloigné pour reposer parce que vous êtes besoin écouter vous-même et besoin réparer quelque chose parce qu'il y a beaucoup de conflits, vous êtes besoin sortir cette bataille. Et besoin aussi le calme, peut-être vous êtes fatigué pour cette relation, beaucoup de conflits et vous êtes éloigné. Il y a une nouvelle essence avec cette personne, il y a quelque chose qui vous aide, besoin, prenez soin de votre santé, votre féminité. Il y a l'essence, si vous êtes une personne qui est éloignée de quelqu'un, pour protéger vos psychiques parce que vous êtes fatigué, il y a une protection. Et soit si vous êtes une personne qui vous êtes enceinte, et qui vous êtes tombée enceinte, il y a un problème avec cette personne, peut-être pour régler un problème avec cette personne, à côté une grossesse, ou soit si vous êtes enlevé, peut-être les enfants avec cette personne, peut-être cette personne elle n'est pas d'accord, vous êtes éloigné de cette personne pour protéger vous et protéger cette grossesse si vous êtes enceinte. Ou soit si vous êtes enlevé une chance donnée à cette relation, besoin protéger vous et protéger votre féminité. Et soit vous êtes enlevé peut-être un nouvel départ avec cette personne, mais vous êtes fatigué moralement, besoin protéger votre santé. Alors les couples, pour moi les couples, c'est il y a une nouvelle énergie pour vous dans la relation. Il y a une nouvelle énergie, nouvel métier. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a besoin de demander l'aide à un ami dans votre relation, peut-être pour discuter ou accepter l'aide des amis ou le soutien des autres. Si vous êtes difficulté dans le couple pour la communication ou le conflit, parce que le roi de épée, c'est quelqu'un. La reine de épée, c'est quelqu'un, il a un conflit pour les communications ou le dialogue avec votre partenaire. Besoin de demander, peut-être, accepte-t-il l'aide et les soutiens des autres. Peut-être il y a quelqu'un qui va aider pour régler un problème avec votre partenaire. Et soit c'est les amis, soit quelqu'un à l'extérieur, un thérapeute ou un problème réglé avec votre partenaire, les conflits. Les dialogues, peut-être il y a beaucoup de conflits par les paroles blessées, ou vous êtes blessé par les paroles, soit c'est vous, soit votre partenaire. Prenez le plaisir à partager le bon moment avec votre partenaire. Il y a quelqu'un qui va aider, une personne extérieure, ou soit une amie qui va aider pour régler et soutenir votre couple. Alors, j'étire les cartes l'oracle. Pour votre relation sentimentale et célibataire, voire célibataire. Vous êtes coupé avec une personne ou une rupture avec une personne, un ami, ou dans votre relation, peut-être vous êtes envie lâcher prise d'une personne, l'attachement, peut-être vous êtes besoin pas rester attaché à une personne, ou soit vous êtes éloigné d'une personne et vous n'êtes pas. On veut sentir cet amour qu'elle fait peur si vous êtes amoureuse à une personne.
Les célibataires ont besoin des dialogues, les communications, les contacts. Cette personne qu'elle tente peut-être votre contact ou un dialogue pour régler ce problème. Alors, les gens qui sont séparés, qui sont vraiment le conflit en séparation, soit un problème de communication, vraiment une rupture, peut-être une séparation, vous êtes parti à la maison, peut-être il y a une réparation pour une grossesse, peut-être il y a une personne qui est enceinte, peut-être il y a une réparation à cause de cette bébé que vous tendez, ou soit vous êtes enlevé, éloigné pour le problème, si vous n'êtes pas bien psychiquement, que vous voulez protéger votre grossesse ou votre enfant, si vous êtes c'est un homme qui a un conflit, qui n'a peut-être pas d'accord, peut-être par la grossesse, ou soit il n'a pas d'accord pour cette séparation. Il y a quelqu'un qui sent les culpabilités, peut-être. Je tire encore une carte. Pourquoi ils sentent les culpabilités? Parce qu'il y a beaucoup de l'amour pour vous. Si vous êtes séparés ou soit vous êtes en conflit avec cette personne, peut-être cette personne qu'elle pense beaucoup à vous, soit une masculin, soit une femme, qu'elle sente les culpabilités, cette séparation. Si vous tendez à une grossesse, vous êtes loin de cette personne parce que vous n'êtes pas psychiquement fatigué, le conflit. Cette personne qu'elle sent les culpabilités, cet éloignement. Et il a beaucoup de l'amour pour vous, vous êtes amoureuse. Et pour moi, il y a une réparation de cette relation. Alors, les couples, ils sont tombés deux. Il y a un écrit, soit par une signature, un engagement, quelque chose, quelqu'un qui veut aider pour cette relation instabilité, c'est une femme. Si vous êtes dans le couple, il y a une femme, peut-être une amie, qu'elle veut aider pour votre relation de couple, quelqu'un qui le soutient pour retourner l'harmonie dans le couple. L'arbre, c'est l'harmonie, c'est la bonne santé, c'est la bonne joie dans le foyer, les relations, une stabilité dans les relations. Voilà, c'est le tirage, le premier tirage. J'espère que ça va parler pour vous. Alors, je passe le deuxième tas. Merci beaucoup. Alors, les deuxièmes, j'utilise cet oracle de Mademoiselle Delorme. Alors, on commence avec ça, c'est le couple. Les gens qui sont séparés et les gens qui sont célibataires. Voilà, c'est les couples et les célibataires. On commence avec les célibataires. Déjà, dans les célibataires qui sont beaucoup de conflits dans le passé, qui besoin libérer le passé et vivre l'avantage de l'amour. Nouvel amour, besoin à libérer le passé, libérer une relation de passé que vous êtes senti fatigué. C'était beaucoup le conflit dans cette relation. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont fatigués, solitude, qui cherchent à libérer ou pardonner à une relation de passé ou pardonnez-vous. Que vous êtes encore cette énergie, que vous sentez seul ou que vous sentez pas. Envie à chercher quelqu'un de nouveau parce que vous êtes une personne qui n'arrive pas à pardonner à un passé, que vous êtes besoin de libérer le passé, les célibataires. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous devez changer l'énergie, changer votre pensée. Et vous êtes connaissante, besoin de l'harmonie, besoin de libérer le passé avec le pardon, à pardonner à quelqu'un, pardonner à vous pour une nouvelle harmonie, pour guérir votre cœur, parce que votre cœur, il a besoin de guérir,
Je dois libérer cette énergie. Vous êtes une personne beaucoup la charme. Vous rencontrez quelqu'un nouveau, vous trouvez votre la paix, il y a une nouvelle harmonie. Il y en a vraiment, vous rencontrez quelqu'un, soit une personne très charmante, quelqu'un douce, quelqu'un gentil et quelqu'un qui vous sentez bien. Vous sentez beaucoup l'harmonie avec cette personne. Et soit si vous êtes une personne que vous êtes besoin de changer et pour sentir libre et libérer le passé pour trouver votre charme parce que vous êtes une personne beaucoup les charmes. Vous tirez une personne, une nouvelle personne, mais vous êtes besoin de libérer le passé pour rencontrer quelqu'un. Alors, les personnes qui sont beaucoup les conflits, beaucoup les violences avec un ex, une relation qui était beaucoup les critiques, beaucoup les disputes, beaucoup les conflits. Et pour moi, libérez votre ex, libérez laissez partir votre ex. Le temps venir pour purifier votre énergie, votre pensée pour une relation de passé. Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être couper avec une personne, ou soit c'est une personne du passé qui vous êtes encore de cette énergie, qui vous êtes observé cette personne, qui vous êtes toujours pensé à cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, vous êtes observé cette personne, soit un ex qu'elle observe vous, soit par l'internet, soit par les médias qu'elle voit, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes encore libre, et il y a quelqu'un qui l'observe, soit c'est vous observez qu'un ex, ou soit un ex qui observe, besoin de libérer cette énergie d'un ex, et besoin d'équilibre dans votre vie générale, l'équilibre pour libérer cette conflit et pour trouver quelqu'un nouveau, besoin de libérer un ex. Le couple. Alors, le couple, il y a un nouvel foyer, une nouvelle maison. Si vous êtes déjà vivre ensemble, il y a un travaux, peut-être faire un travaux dans votre maison, changer quelque chose dans votre maison, ou soit si vous êtes engagé avec quelqu'un, parce que ça sortit un engagement. Il y a un changement, peut-être une maison, soit acheter une maison. Il y a quelque chose que vous voulez construire solide, une nouvelle maison, soit faire les travaux dans votre maison. Et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de l'amour pour engagement à un couple solide, un couple bien. Vous êtes une personne, un guerrier de l'amour. Vous laissez pas. Vous lâchez pas votre partenaire, vous êtes prête pour battre, pour garder votre partenaire ou garder votre couple. Vous êtes une personne solide dans le couple. Il y a quelqu'un qui est plus fort, qui a quelqu'un qui tient les relations, qu'elle battre pour cette relation et continuer. Alors, les célibataires pour vous. Ça sortait le mariage, peut-être vous rencontrez quelqu'un, ça sortait, ça tournait. Si vous êtes changé et pardonné un conflit ou une relation de passé, il y a un nouvel amour pour vous, il y a un nouvel engagement avec quelqu'un. Alors, les célibataires, soyez confiants à vous. Les célibataires, soyez confiants à vous. Il y a une visite, il y a une visite peut-être à une personne nouveau, nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être quelqu'un plus âgé comme vous, quelqu'un elle est mûre, quelqu'un stable, quelqu'un qui veut peut-être engagement avec vous si vous n'êtes pas encore engagé, seulement si vous êtes dans le passé, toujours pas faire les deuils. Pour moi, c'est les deuils qu'il doit faire dans le passé pour trouver quelqu'un. Ou soit c'est quelqu'un qui vous rencontrez une personne, les célibataires, quelqu'un qui était à une relation de passé, soit il est veuf, il est quelqu'un qui l'a perdu à une personne, qui est plus âgé comme vous, ou soit c'est quelqu'un qui était divorcé, ou soit une personne qui l'a perdu son compagne, et c'est quelqu'un, elle a un engagement nouveau avec vous, qu'elle veut peut-être un nouvel départ avec vous, un nouvel
relation, moi je vois quelqu'un nouveau, mais c'est quelqu'un qui était déjà une vie, qu'il a vécu une vie dans le passé, soit il était marié, soit il est veuf, soit il est divorcé. Pour moi, c'était quelqu'un. Il est plus âgé comme moi. Alors, les gens qui sont séparés, besoin de la séparation, besoin de libérer l'énergie de un ex, libérer la tristesse, libérer les deuils, parce que vous n'êtes pas faire les deuils d'un ex. Vous êtes toujours, peut-être vous êtes divorcé, ou soit vous êtes séparé, ou soit un problème avec votre ex, besoin de libérer cette relation de passé. Et pour commencer un nouvel départ, déplacement, peut-être voyage, peut-être partir, peut-être vous commencez une nouvelle vie pour vous, nouvel amour, besoin d'équilibrer les choses, besoin d'une nouvelle essence pour construire votre vie, peut-être vous partir, changer les villes, ou soit déménager, ou soit partir à l'autre ville, vous changer la vie. Vous changez la ville, peut-être vous éloignez un ex, parce qu'il y a beaucoup toujours votre ex, il est toujours là dans votre pensée, dans votre état d'esprit. Besoin éloigner, peut-être partir, changer la ville, déménager, éloigner, parce que cette personne toujours observe qu'est-ce que vous faites, ou soit une femme ou soit l'homme, ça parle les deux. Alors, le couple, il y a beaucoup de l'amour. Le couple qui sont peut-être perdent la confiance dans le couple, il y a une réparation, il y a un construit quelque chose de nouveau, il y a un engagement, il y a un nouvel cadeau. Les cadeaux, peut-être le couple construit quelque chose de nouveau, déménager ensemble, faire les travaux dans une maison. Attention, attention, les jalousies dans votre entourage, ou soit une tierce personne. Pour ça, il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle dans votre entourage, quelqu'un peut-être jalouse de votre couple, doit vraiment battre pour la relation. Il y a une tierce personne. Pour ça, il y a un guerrier de l'amour, c'est quelqu'un qui ne laisse pas faire, qui ne laisse pas une personne qui prend de votre partenaire vous battre, soit une personne, une tierce personne. Quelqu'un de votre famille ou soit une personne de votre entourage qui est jalouse dans votre relation, qui est jalouse que vous êtes à construire une vie ou une fête, vous, un mariage ou un engagement, une fiançaille. Il y a quelque chose que vous fêtez, c'est une personne qui l'observe, une personne qui est jalouse de vous, qui peut-être ils veulent piquer votre compagne ou soit votre mari, votre femme. Il y a quelqu'un qui veut prendre votre mari, votre femme. Attention, les jalousies, les mensonges, les gens qui ne sont pas vraiment fidèles. Voilà. Alors, on passe les troisièmes. Excusez-moi, mais comme je parle, j'ai besoin un petit peu boire de l'eau. Excusez-moi. Le troisième, on verra avec le troisième. Utilisez l'oracle. Alors, les célibataires, les couples, les gens qui sont séparés et les gens qui sont tels les célibataires. Je voulais dire célibataires, les gens qui sont séparés. Il y a beaucoup de l'amour, hein? Beaucoup de l'amour seulement. Vous êtes peut-être besoin de donner une chance dans votre relation. Vous êtes pris le recul dans la relation, soit vous êtes une personne qui observe votre partenaire, ou soit vous êtes une personne qui toujours, ou soit c'est votre partenaire qui l'observe. Faites attention, quelqu'un qui veut vous donner une chance. Il y a beaucoup de l'amour dans le couple. Travailler votre relation, faire l'effort dans la relation. Et un nouvel départ, il y a beaucoup de désir pour un nouvel départ si vous êtes gonflé. Alors, si vous êtes les célibataires, vous n'êtes pas confiance à vous ou confiance à l'amour, vous êtes besoin peut-être partir, vacances, changer l'air, besoin le repos, besoin éloigner un petit peu, besoin travailler la confiance à la relation, garder la foi.
Si vous êtes une personne dans votre cœur, vous êtes besoin d'éloigner un petit peu, prenez les décisions, besoin de pause peut-être dans cette relation, besoin de prendre les décisions, prenez un petit peu vacances ou soit éloigné un petit peu pour prendre les décisions parce que peut-être pas trop confiance à cette personne. Soyez confiance à cette personne si vous êtes besoin de travailler votre confiance. Il y a les gens qui sont besoin, les 10 de denier, c'est quelque chose qui vous êtes besoin, prenez source, besoin de repos, besoin d'éloigner un petit peu seul, écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il dit, peut-être il y a beaucoup de l'amour pour cette personne, mais vous êtes beaucoup les doutes, parce que cette personne peut-être sentiment pour vous secret, ou soit cette relation secret. Si vous êtes avec une personne, à une relation secret, que vous n'êtes pas encore voilé à les gens, ou soit cette personne qui est l'amour pour vos secrets, qu'elle a besoin d'éloigner de vous pour réfléchir et pour déclarer son sentiment, qu'elle a besoin de confiance, c'est l'amour, et besoin de travailler la confiance dans cette relation. Alors, les gens qui sont séparation parce que vous avez besoin dialoguer, les communications, peut-être vous êtes dans le conflit. Les 5 de épée, c'est quelqu'un, les conflits qu'il a coupé peut-être ou éloigné de quelqu'un. Mais vous êtes beaucoup l'attirance vers cette personne. Il y a beaucoup de l'amour, quelqu'un fidèle ou quelqu'un bien. Et si vous êtes dans le difficulté, vous devez travailler votre couple et donner une chance à votre relation. Gardez les choses bleues avec une nouvelle vision. Vous êtes une personne qui observe ou quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir dans votre relation. Pour ça, vous êtes pris le recul pour donner, laisser une chance à votre relation, travailler votre relation de couple. Si vous êtes éloigné, c'est parce que vous êtes besoin d'éloigner pour réfléchir. Alors, le couple. Votre relation, il y a beaucoup de l'amour, il y a beaucoup de choses partagées. Besoin peut-être faire l'effort dans votre relation. Il y a l'amour partagé. La relation, vous sentez bien avec votre partenaire, soit une relation divine, un amour divin. Et faire l'effort, cette relation peut-être besoin les respecter, besoin. Communiquer et dialoguer, les 10, c'est la route fortune, il y a un nouvel départ, il y a une nouvelle chance, vous désirez une nouvelle chance avec cette personne, il y a beaucoup de l'amour, il y a beaucoup de l'amour dans le couple. J'utilise l'oracle de Mademoiselle de Normand pour les gens qui sont seuls, les célibataires, pour confiance, il y a un amour secret. Soit vous gardez secret pour un amour, soit une personne qui est secret, qui est amoureuse de vous, qu'elle a besoin de déclarer, qu'elle prend le temps pour réfléchir. Et peut-être qu'elle manque de confiance pour venir vers vous, déclarer son sentiment, ou soit c'est une personne qui a peur, qu'elle n'a pas trop confiance à l'amour, qu'elle doit travailler ça. Les célibataires, il y a beaucoup d'espoir. Si quelqu'un qui est éloigné de vous, ou soit si vous êtes éloigné, que vous êtes travaillé, besoin de confiance dans cette relation. Il y a une nouvelle, cette personne donne une nouvelle, il y a une lettre ou une communication ou un dialogue avec cette personne, c'est l'éloigner parce qu'à cause de la confiance, qu'elle a peur, peut-être la fidélité. Il a peur de vous perdre. Peut-être quelqu'un qu'elle pense, peut-être la fidélité, ou qu'elle n'a pas confiance, ou soit si vous n'êtes pas confiance à cette personne. Alors, pourquoi vous n'êtes pas confiance? Vous désirez un nouvel, vous désirez contacter avec cette personne, vous êtes l'espoir pour cette relation, vous espérez un nouvel départ, mais doit confiance à cette personne parce que vous pensez peut-être. La fidélité ou soit penser à pas confiance à l'amour, peut-être dans le passé, quelque chose qu'elle fait peur. Soit c'est vous, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est l'état, soit votre les personnes dans votre cœur qu'elle a peut-être et la peur de fidélité.
Alors, les gens qui sont séparés, il y a une chance, il y a une chance pour construire quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle essence. Vous libérez une barrière ou un conflit, les confiances peut-être, soit vous êtes éloigné de cette personne, vous pensez beaucoup à cette personne, peut-être besoin, peut-être nouvel départ ou donner une chance à cette personne si vous êtes éloigné de cette personne, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup faire souci pour cette séparation, si vous êtes pris le recul, vous réfléchissez votre relation pour relever cette barrière, le contact et donner une chance à cette personne. Les relations de couple, il y a un message, il y a un équilibre, il y a un message, soit une lettre, ou soit si vous êtes une personne qui a beaucoup l'amour, il y a une déclaration, il y a un équilibre dans la relation sentimentale, il y a une chance dans le couple. Et à la fin, quelque chose, peut-être il y a un deuil, ou à la fin, un problème dans le passé. Pour moi, il y a à la fin quelque chose pour commencer à nouvel équilibrer la relation. Et doit faire les deuils, quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un dans votre famille. Il y a un deuil, il y a un deuil dans le passé qui vous êtes besoin de faire. Dans votre relation de couple ou une re relation que vous êtes peut-être perdu quelqu'un dans votre famille. Si vous êtes dans le couple, que vous êtes perdu un proche, une personne qui est partie, un proche, quelqu'un qui vous êtes pensé beaucoup à cette personne, soit cette personne qu'elle est éloignée de vous, et c'est quelqu'un qu'elle donne nouvelle et qu'elle a besoin peut-être libérer la santé. Peut-être il y a quelque chose avec la santé aussi. Si vous êtes une personne qui était malade ou le problème de santé, peut-être il y aura tout l'équilibre. Je tire encore une carte de couple. Il y a quelqu'un qui a besoin de la stabilité et peut-être quelque chose d'officiel avec vous. Peut-être un mariage ou un engagement si vous n'êtes pas encore engagé. Et il y a beaucoup de l'amour, c'est quelqu'un qui vous aide beaucoup de l'amour, soit l'homme qui pense beaucoup à vous et qu'il était peut-être éloigné ou séparé dans le passé avec vous, qu'il veut donner une chance à votre relation de couple. Il y a les désirs, beaucoup les désirs, peut-être un engagement, quelque chose d'officiel. Il y a un deuil, il y a un deuil dans cette séparation, il y a un deuil à une personne qui vous êtes peut-être perdu. Votre proche, ça dépend de votre situation, ça sortit l'amour à une personne qu'elle pense beaucoup à vous, peut-être elle demande le pardon, elle amène un cadeau, quelqu'un qui vole un cadeau, une surprise, peut-être un fiançailles ou un engagement qu'elle demande, peut-être un engagement ou un cadeau, peut-être un cadeau, une fleur. Un cadeau, peut-être un voyage, quelque chose qu'elle veut demander, peut-être un pardon. Un pardon, peut-être dans le passé, qu'il y a beaucoup de problèmes, peut-être séparation, si vous êtes séparés dans le passé. Il y a quelqu'un qui veut peut-être retourner, donner une nouvelle, et pour équilibrer la relation, et peut-être quelque chose vraiment officiel, un cadeau amené. Ou soit une nouvelle, donner une nouvelle par un message, ou une déclaration, les sentiments pour vous. Il y a quelqu'un qui est un amour pour vous, très fort, c'est un lien très fort. Si vous êtes séparés, vous faites un deuil, une tristesse ou quelque chose dans le passé, ou soit à cause d'une personne de votre famille qui a été décédée, ou à partir, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, qui était dans le deuil. Il y a quelqu'un qui l'amène les cadeaux, qui l'amène quelque chose d'officiel, une déclaration, un retour, une relation spirituelle, un amour spirituel. C'est quelque chose de très fort avec cette personne. Voilà, c'est fini. Les tirages, le troisième. Merci beaucoup. C'est les gens qui me soutiennent et qui partagent les vidéos, qui abonnent ma chaîne nouveau. Merci beaucoup. Votre gentillesse et votre fidélité. J'espère que ça va parler à quelqu'un.
partager. S'il parle pas pour vous, ça parle peut-être quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. À bientôt, mes amis, et bonne journée.